Ouais. De toute façon, c'était du matos obsolète. Cette armure est un modèle 6 qui vient juste d'arriver de Sonium. Essayez-la en douceur, le temps de vous y habituer. Ok, commençons par essayer la visée. Regardez la lumière du haut. Bien. Regardez la lumière du bas. Parfait. Regardez à nouveau celle du haut. C'est ça. À nouveau celle du bas. Ok. Tout est ok. Bon, je vais désactiver les inhibiteurs. Déplacez-vous un peu pour voir ce que ça donne. Quand vous serez prêt, rejoignez-moi près de la console. Écoutez bien parce que je répéterai pas. Ce stand permettra de tester la recharge des boucliers d'énergie. Les boucliers de la nouvelle armure sont hyper résistants, très efficaces. Bingo! Comme vous pouvez le voir, ils se rechargent bien plus vite! Si vos boucliers faiblissent, mettez-vous à couvert le temps que ça recharge. Sinon, il peut se planquer derrière moi. Vous avez fini avec mon petit gars? Je vois qu'il n'a plus de Yubala. Son armure fonctionne du tonnerre. C'est bon, tout est ok, mais pas la peine de s'emballer. Je m'occuperai bien de lui. Alors, Johnson, comment vous avez fait pour vous en tirer, une fois de plus? Désolé, je peux rien dire. Ah ah, mon cul! Vous pouvez vous gratter pour les réglages sur votre lunette à deux. Il est de mauvais poil aujourd'hui. Lord Hood a dû oublier de l'inviter. La Terre. Des années que je ne l'ai pas vue. Quand je me suis engagé, la défense orbitale, c'était rien qu'un vague projet. Et regardez ça. Là, le Cairn est que l'une des 300 plateformes orbitales. Ce canon AM peut réduire en bouillie un vaisseau amiral Covenant. Avec les tirs coordonnés depuis l'Athènes et le Malte, il n'y a rien qui puisse passer la grille en un seul morceau. Il arrive tout un tas de vaisseaux depuis ce matin. Personne ne dit rien, mais je parie qu'il se prépare quelque chose. Vous m'aviez promis qu'il n'y aurait pas de caméra. Et on avait dit que vous seriez présent.